Louis, mon frère, chaque minute qui passe est vide depuis que tu es parti. Chaque endroit est cruellement rempli de ton souvenir. Avancerai-je sans toi? Avancerons-nous, maman et moi, sans toi? Tout petit déjà, tu étais le soleil de notre trio. Doux, joyeux, sensible, solaire. Plus tard, tes amis ont eu la chance d'être illuminés à leur tour. Et quel ami précieux tu étais. Ça va, mon David? Oui. T'as besoin d'aide pour quelque chose? Non, c'est gentil. On va plutôt rejoindre les autres. On veut savoir ce que c'est de vie. Ouais, il m'avait envoyé une vidéo, j'avais pas pu la faire. Ah bah j'ai acheté au magasin du vidéo. En plus c'est trop bien, ils disent qu'on peut faire des figures, c'est trop bien. Oh ouais, j'ai trouvé des silhouettes. Ouais, moi aussi. Et donc là, je t'ai fait venir. Allez, vas-y, viens sur moi. Mais tu vois, elle marche pas. C'est ma manette. Mais moi, je crois que c'est là. Toi-même. Ça me rappelle tellement de souvenirs de te voir ici. Il avait commencé une école d'art cette année. J'avais l'impression qu'il avait enfin trouvé sa voie. Je pensais qu'il était encore en médecine. Ah non, c'était il y a longtemps, ça. Il a tellement souffert, tu sais. Nous, on l'a aidé comme on a pu. Et petit à petit, il s'est renfermé sur lui-même. Il s'est isolé. Et toi, je comprends pas, du jour au lendemain, t'as plus donné aucune nouvelle. On a pris des chemins différents. J'ai déménagé et on s'est perdu de vue. Rien ne t'empêchait d'appeler. Je pensais pas qu'il allait aussi mal. Un peu tard pour être désolé, non? Bon, écoute, je redescends. Tu penses pas qu'on devrait faire quelque chose, hein? T'es malade ou quoi? Louis, on bouge pas. Je sais pas, au moins y retourner, voir ce qui se passe ou... Non, mais attends, quand on était, y'avait personne. Personne nous a vus. Donc c'est pas un problème. Il s'est pas rien passé. Si, il s'est rien passé du tout. Dégueulasse! Mais voilà, on se voit là! J'ai du vomi partout! Qu'est-ce que vous faites chier? David! David! Désolé, j'avais besoin de... respirer un peu. Ça doit te changer de Paris. En tout cas, je suis contente de voir que tu as si bien réussi dans ta vie. Louis aurait été fier de toi. Monsieur ? Oh putain, il bouge plus.
Faut qu'on appelle les secours. Non, faut qu'on se taille. On est juste à la fermer et tout ira bien. Promets-moi de le dire à personne. Oui, jure-le-moi. Ok. Hello. Ça s'est bien passé ton séminaire ? Mon Louis, mon frère, chaque minute qui passe est vide depuis que tu es parti. Chaque endroit est cruellement rempli de ton souvenir. Avancerai-je sans toi? Avancerons-nous, maman et moi, sans toi? Tout petit déjà, tu étais le soleil de notre trio. Doux, joyeux, sensible, solaire. Plus tard, tes amis ont eu la chance d'être illuminés à leur tour. Et quel ami précieux tu étais. C'était magnifique, il y avait plein de couleurs. Et je crois que c'était à propos de l'art. Ça va, mon David? Ouais. T'as besoin d'aide pour quelque chose? Non, c'est gentil. On va plutôt rejoindre les autres. On veut savoir ce que c'est de vie. Ouais, il m'avait envoyé une j'avais pas pu attendre. Ah bah j'ai acheté au magasin du vidéo. En plus c'est trop bien, ils disent qu'on va faire des figures, c'est trop bien. Oh wesh, j'ai trop des silhouettes. Ouais, moi aussi. Et donc là, je t'ai fait venir. Allez, vas-y, viens sur moi. Mais tu vois, elle marche pas. C'est ma manette. Mais moi, je sais pas, celle-là. Toi-même. Ça me rappelle tellement de souvenirs de te voir ici. Il avait commencé une école d'art cette année. J'avais l'impression qu'il avait enfin trouvé sa voie. Je pensais qu'il était encore en médecine. Ah non, c'était il y a longtemps, ça. Il a tellement souffert, tu sais. Nous, on l'a aidé comme on a pu. Et petit à petit, il s'est renfermé sur lui-même. Il s'est isolé. Et toi, je comprends pas, du jour au lendemain, t'as plus donné aucune nouvelle. On a pris des chemins différents. J'ai déménagé et on s'est perdu de vue. Rien ne t'empêchait d'appeler.
pensais pas qu'elle allait aussi mal. Je suis désolé. C'est un peu tard pour être désolé, non? Bon, écoute, je redescends. Tu penses pas qu'on devrait faire quelque chose, hein? T'es malade ou quoi? Louis, on bouge pas. Je sais pas, au moins y retourner, voir ce qui se passe ou... Non, mais attends, quand on était, y'avait personne. Personne nous a vus. Donc c'est pas un problème. Il s'est pas rien passé. Si, il s'est rien passé du tout. Dégueulasse! Voilà, on se met là! J'ai du vomi partout! Qu'est-ce que vous faites chier? David! Désolé, j'avais besoin de... respirer un peu. Ça doit te changer de Paris. En tout cas, je suis contente de voir que tu as si bien réussi dans ta vie. Louis aurait été fier de toi. Monsieur? Oh putain, il bouge plus. Faut qu'on appelle les secours. Non, faut qu'on se taille. On est juste à la fermer et tout ira bien. Promets-moi de le dire à personne. Oui, jure-le-moi. Ok. Hello. Ça s'est bien passé ton séminaire ?